We'll be right back.
c'est merveilleux. Alors, bonjour à tous, Redert, hein, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Alors, merci d'être venu sur mon petit live tout à l'heure. De rien, Dirt, hein, c'était un plaisir de te retrouver. C'est vrai que c'est assez rare que je prends le temps de comment dire, d'aller saluer tout le monde. C'est pas évident, parce que bon, faut l'avouer, j'ai mes journées. Enfin, mes journées, j'ai pas tout le temps le temps de passer saluer tout le monde. Donc c'est vrai que je vais prendre principe généralement le samedi après-midi d'aller saluer les personnes que je connais qui viennent régulièrement sur le live, sur la chaîne surtout. Voilà, je vais prendre ce principe-là. Voilà, histoire quand même de participer. Alors attends, je vais baisser un peu le son du jeu parce que ça m'arrive assez fort. Voilà. Donc je vais essayer tout simplement de faire ça le samedi après-midi. Ça fait plaisir. Bah moi c'est pareil, Dertin. Voilà, donc tout à l'heure c'est pareil, hein, j'ai passé un petit peu en début d'après-midi sur le live de Arnaud. Et puis après je me suis dit, j'ai vu que tu étais en live, je me suis dit allez. Je vais aller te saluer. Megan arrive dès qu'elle peut. Oh, il n'y a pas de souci, Dirt. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis là jusque 19h30, hein, on va dire. Ouais, à peu près 19h30. Je vais streamer. Voilà, donc bah, on va continuer un petit peu ce AC Origine. Comme hier, on va continuer à avancer au niveau des quêtes annexes. Parce que la quête principale. Je suis arrivé dans un niveau où malheureusement c'est deux niveaux au-dessus. Ouais, c'est deux niveaux au-dessus de mon. De Bayek. Donc je pense qu'à mon avis, ça vaut pas vraiment le coup d'aller tenter d'aller attaquer des. Aller attaquer des camps, etc. Donc je pense que je vais me concentrer un petit peu plus sur la quête annexe. Alors ici on était arrivé où? Chercher des survivants dans la ferme. C'est un super jeu, je l'ai sur PS4. Bah, franchement, je suis d'accord avec toi, Dirt. Je peux t'avouer, franchement, je passe vraiment un très bon moment sur ce AC Origine, qui pour moi est une première. Hein. Je ne connais pas du tout cette saga. J'ai pas eu l'occasion. Vraiment, j'ai pas eu l'occasion d'en faire d'autres. Je suis passé directement sur ce AC Origine qui pour moi est le meilleur. Alors peut-être ceux qui connaissent bien la licence vont dire le contraire. C'est peut-être pas le mieux, mais en attendant, je passe de très 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 bons moments sur ce jeu. Voilà. Alors ici, on a des soldats sur le côté gauche. Pourtant, il me semble que je les avais libérés ici. Alors, ce qu'on va faire. Je suis un peu surpris qu'ils m'ont pas repéré. Donc on va essayer de les attaquer. On va utiliser ces nus. Voir un petit peu si. Ouais, c'est du 33, 32, ça devrait passer. C'est de mon niveau, hein, voilà. Ah, par contre, là, ils ont brûlé. Ouais, ils ont brûlé des corps. Pas très sympa, ça. Voilà. Et pour Wizboot, il n'y a pas de souci, Dirt, hein, comme je t'avais expliqué tout à l'heure sur ton live. Généralement, je ne suis pas très dispo le matin, parce que, bon, comme tu sais, hein, par rapport à mes problèmes de santé, je ne suis pas dispo du tout le matin. À partir de midi, mais généralement, midi, c'est la préparation du repas et tout ça. Le seul moment où je peux vraiment être dispo dans la semaine, c'est à partir de 14h. Hein.
de 14h à 15h. Et après, bah, je suis plus dispo. Et je suis de nouveau disponible à partir de 17h. Hein. Voilà. Mais on essaiera de se fixer un rendez-vous pour Wizboot. Si je peux t'apporter mon aide concernant la configuration de Wizboot, bah pourquoi pas, hein, ça, y a pas de souci. Alors faut savoir que moi j'ai Wizboot Premium, hein, c'est la version payante. Alors il y a peut-être des options peut-être que toi tu n'auras pas, parce que toi tu es en version gratuite. Mais ça n'empêchera pas de le configurer correctement, du moins pour déjà ben, appliquer certaines commandes. Voilà. On essaiera de comparer un petit peu par rapport à ce que je possède sur le Wizboot, et puis on essaiera de voir ça ensemble. Hein. Voilà. Mais vaut mieux faire ça cette semaine si c'est tu es vraiment disponible, parce qu'après je risque de l'oublier. Je risque de l'oublier, donc tant que c'est dans ma mémoire, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésite pas surtout à me relancer hein, via MP. Voilà, si j'ai possibilité de pouvoir t'aider, il n'y a pas de souci. Alors là, on a un 33 ici. On va essayer de le choper en mode discret. Voilà. Voilà. Bon, je me suis fait repérer. Je me suis fait repérer, malheureusement. Alors, est-ce que t'as bien avancé sur ce jeu, Dirt? Est-ce que t'as bien, ou t'es vraiment, vraiment tout au début du jeu? Parce que franchement, il y a de quoi faire. Hein. Au niveau du temps de jeu, le temps de jeu est énorme. Il y a de quoi découvrir, il y a de quoi se faire plaisir sur ce jeu-là. Bon, bah ça va, j'ai pas ameuté tout le monde. Donc ça fait pas partie de ma quête annexe ou de ma quête principale. Mais pas du tout, du tout. Mais de temps en temps, ça te permet de gagner un peu d'XP. Le fait d'attaquer comme ça des camps ou de libérer des otages. Voilà. Alors, je vais essayer de voir un petit peu, peut-être passer par celui-là. Voilà, je suis sûr de ne pas le louper, hein. D'accord. J'ai tiré dans le casque, donc ça marche pas. Ok. Alors, par contre, ils sont très durs à tuer. Alors. Voilà. On n'en parle plus, ça c'est fait. Alors c'est un petit peu plus compliqué hein, dans cette partie-là parce que c'est des levels un peu plus élevés. Salut Alexandre, j'espère que ça va. J'espère que tu vas bien et ça fait plaisir de te retrouver. Ça va Alexandre, hein, il y a des hauts et des bas au niveau de la santé, mais on essaie d'oublier un petit peu tout ça, quoi. Et puis, on essaie de rester un petit peu actif sur Twitch. Hein. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, cette semaine, j'ai un peu moins streamé parce que c'était pas vraiment trop le top au niveau de la forme. Mais bon, voilà. Voilà. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Ce qu'on va faire, on va essayer quand même d'attaquer le camp là-bas. On va essayer de voir pour le essayer de voir un petit peu ce qu'il propose. Donc là, je dois chercher des survivants dans la ferme. Je sais que ça va pas être facile. Bon, pourquoi mon cheval ne vient pas? Ah, il est juste ici. D'accord. Hop et là. C'est parti. Ah, faut pas oublier d'avoir la pêche. Effectivement, Alexandre. Avec tout ça, il faut. Faut pas baisser les bras et puis faut un petit peu surmonter un petit peu quand t'es en difficulté, faut essayer de surmonter un petit peu tout ça. Même si de temps en temps c'est pas tout le temps évident. Ah, ici il y a des habitants libérés. Bon, on va profiter. On va profiter de le faire. Alors, oh là par contre c'est du level 35. Hein. Moi je suis 33. Ça va être un petit peu plus difficile.
Mais si je m'y prends bien, normalement, ça devrait passer. Voilà. On va voir un peu. Oui, voilà, Dirt, c'est ça. Alors, moi, je suis quelqu'un... Bon, je vous cache pas qu'il y a des moments, c'est pas tout le temps facile. Et il y a des petites baisses de morale de temps en temps. Je suis quand même quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement. Hein, voilà. Alors, ça, c'est important. Ah, ils attaquent à vue par ici. C'est important parce que, bon... si t'as pas ça, si t'as pas la pêche entre deux, si t'essayes pas de surmonter un petit peu tout ça, bah tu... Entre guillemets, tu vis plus, quoi. Voilà. Voilà, par contre, je pense que je vais me faire opérer ici. Ah ouais, c'est d'autres soldats qui passent, d'accord. Bon, je me suis fait opérer, hein. Oh purée, par contre, quand ils me touchent, ça fait mal, hein. Ça pique, hein. Ouais, quand ils me touchent, c'est pas de la rigolade, hein. C'est du 35 quand même. Level 35, je suis level 33. Alors, on va essayer de gérer ça, on va essayer de s'en sortir. Alors, j'aime bien utiliser l'arc, hein, parce que au corps à corps, je suis pas très bon. Je suis pas très bon au corps à corps. Ah, du coup, il y a du monde qui arrive. Je sens que ça va pas être bon. On va essayer de se planquer un tout petit peu. Histoire de récupérer un peu de vie. Alors. Ah, bah, je suis mort. Je suis mort. Ça pardonne pas, hein. La moindre erreur du fait que je suis deux. Enfin, les ennemis sont deux levels au-dessus de mon niveau. Ça pardonne pas, hein. C'est la mort directe. Hein. Si, franchement, si tu gères pas très bien, comment dire, les attaques au niveau des ennemis, bah tu meurs directement. Ça va être compliqué. Alors, as-tu vu le conseil que je t'ai donné un peu plus haut dans le chat? Alors, attends, je vais regarder. Un petit conseil, quand tu... le au max pour que ça te one shot les ennemis. D'accord. Ah d'accord, comme ça en fait il faut appuyer à fond sur l'arc. D'accord. Ah ben je savais même pas Alexandre. Mais merci, merci beaucoup de ton conseil. Je viens de m'en rendre compte que tu avais possibilité de le one shot par rapport à la tension de ton arc. Bah, je savais pas, tu vois. À moi peut-être qu'on me l'ait déjà dit. On l'aurait peut-être déjà dit, mais bon. C'est peut-être une option que j'ai oubliée. T'es level 43, d'accord. Ouais, pas mal. Ouais, il faut bien tirer dans la tête, bien évidemment. Oui, 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 d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais bon, la visée, moi, au joystick, je t'avoue que c'est pas trop top. Mais de temps en temps, quand je vise bien, ça passe direct. Hein. Oui, 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 généralement, c'est le point faible, hein, c'est viser la tête. Pas viser, pas tirer sur le casque surtout. Voilà. Comme j'ai pu le faire tout à l'heure, j'ai tiré sur le casque. Voilà, tout simplement tirer entre les yeux. Au moins, t'es sûr de pas le louper. Ah, t'as la saison passe. Je me suis mis rebu aujourd'hui. Eh ben, tu vois, Alexandre, moi, je me suis remis hier. Hein. Voilà, j'ai l'occasion de rejouer sur AC Origin hier parce que j'ai fini certains jeux. Comme Far Cry 5, hein, je l'ai terminé en fin de semaine. Après, bon, j'ai streamé d'autres jeux, donc forcément, j'avais mis un petit peu AC Origin de côté. Ça faisait à peu près 2 mois que j'avais pas eu l'occasion d'y jouer. Et personnellement, je suis content de bien content d'y rejouer, hein, tout simplement, parce que ça reste un bon jeu. Voilà, ça reste un bon jeu. Il y a encore pas mal de choses à découvrir. Alors, je prends du plaisir à y jouer. En ce moment, je suis sur les jeux Ubisoft. Hein. Après Far Cry 5, je reste sur AC Origin, tout simplement. On va pas trop se préoccuper des camps qui sont à côté. Hein. Oh, c'est vrai que ça te fait gagner de l'XP, hein, quand tu as possibilité de gagner un peu d'XP, enfin de level. C'est plutôt sympa. Alors ici, par contre là, à mon avis, ça va être assez compliqué.
Parce que je pense que c'est complètement le... C'est un fort en fait, hein. C'est un genre de fort. Alors on a du 32 ici. On va essayer de trouver les survivants là. Je pense qu'ils doivent se trouver ici, hein, à mon avis. 32, 33. Ah, ça va être dur. Hein. Alors je suis pas vraiment sûr d'y arriver. Il va falloir se faire vraiment le plus discret possible. C'est du même niveau que moi pour l'instant, donc c'est pas trop compliqué, ça devrait passer. Mais il y a du monde. Il y a tout simplement beaucoup trop de monde par rapport à moi. Moi je suis tout seul. Alors on va essayer de voir un peu. Alors faut pas que j'oublie avec l'arc, hein, surtout c'est de bien tendre l'arc en fait. Waouh, 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 le people là-dessus. Ouais, il y a du monde. D'accord. Et c'est pas dans mes objectifs de l'attaquer. Alors attends, je vais regarder. Ah, moi j'aime bien. Franchement, Alexandre, pour moi, ce jeu, c'est un plaisir d'y jouer. Hein. Que ce soit déjà dans l'univers. Puis le jeu est beau, il est magnifique. Graphiquement, il est magnifique, l'envoi du lourd. Après, bon, c'est vrai que les gens vont critiquer Ubisoft, mais depuis un certain temps, moi, je trouve qu'Ubisoft, quand même, bon, même s'il y a des bugs, hein, ça arrive de temps en temps, il y a des bugs. Hein. Des petits bugs d'affichage, ou quelquefois, tu as des retours bureaux, où le jeu est très instable, hein, mais ça, je pense que c'est plus un problème informatique qu'un problème. En fait, ce camp-là, je ne suis pas obligé de l'attaquer. Mon objectif est là-bas au bout. Alors, on va accélérer un petit peu. On va prendre un peu de vitesse. Ouais, il est là-bas au bout, en fait. Ouais, bah donc, on va pas attaquer ce fort. On va pas le faire. On fera ça plus tard. Ouais. Même en moyen, il est beau, oui, bien sûr. Hein. T'es pas obligé d'avoir du matériel extraordinaire pour le faire tourner. Hein. Ah non, mais je confirme. Même en qualité moyenne, il reste beau. Hein. Tu sais, je suis pas persuadé qu'il y a beaucoup de différence entre ultra et moyen. Il y a peut-être juste une différence de reflet, de lumière, de rendu. Au niveau des lumières, mais je pense pas que c'est énorme. Voilà. Là, je suis en ultra. Hein. Bon, forcément. Alors, attends. Ouais, bon, on va attaquer directement ce passage-là. Voilà. Alors... Bon, je pense pas que je vais trop te spoiler, tu vois, un petit peu. Je vais te faire voir rapidement, peut-être pour Dirt, hein, mais je conseille peut-être Dirt de pas trop regarder. Mais tu vois, je fais vraiment le tour rapide des cartes, de ce qui me reste à faire, à découvrir. Mais c'est énorme, hein. C'est énorme, la carte est vraiment, vraiment, il y a de quoi faire, franchement pour le prix du jeu, il y a de quoi se faire plaisir. C'est surtout ça. Voilà, en plus il a baissé de prix, hein. Je pense que je l'ai vu à 26€ il me semble, sur PC. Sur console, je sais pas s'il est beaucoup plus cher. Mais bon, il a dû bien baisser de prix, hein. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon cheval. Tu l'as découvert en... Ah, d'accord, tu as eu l'occasion de faire toutes les cartes, d'accord. Oui, j'ai fait... Alors, au niveau des combats, alors je vais te faire voir rapidement. Voilà un petit peu ce que j'ai pu faire. Hein. Alors, il me reste le chacal à faire et le lion. Hein. Je pense que c'est ça que tu m'as demandé, Alexandre, hein, il me semble. Hein. Voilà, il ne me reste plus que ça. Je pense que ça doit être ça. Oui, je l'ai fini à 100%. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je dois être à... Je sais plus à combien de pourcentage je suis. Je suis pas encore au 100%, hein, forcément. Voilà ce qui me reste. Hein. Il reste le lion et le chacal. Mais j'ai eu des misères. Hein. Il y a certaines choses, j'ai bien galéré. J'ai bien galéré. Et puis, il a fallu vraiment un certain temps pour pouvoir... les combattre et puis les
Enfin, pour pouvoir et continuer à avancer dans l'histoire, c'était pas facile. Alors, on y va. Ah, le combat des dieux, des défis de... Ah non, je l'ai pas fait ça, Alexandre. Sobek et Anubis, je crois que c'est cette semaine. Non, je l'ai pas fait ça, Alexandre. Le combat des dieux, je ne le fais pas. Je me concentre beaucoup plus par manque de temps parce que j'ai... Je joue énormément de jeux. Donc j'ai pas le temps vraiment, vraiment de le faire. Non, le combat des dieux, c'est où en fait? C'est dans quoi alors? Alors attends. Ça fait partie des quêtes peut-être? Alors attends, je sais pas si c'est pas ça. Non, je vais regarder rapidement. Merci Bénère pour le raid, hein. Merci beaucoup, c'est sympa. Ah, c'est assez rare que j'ai un raid, c'est assez sympa. Merci beaucoup Vénère. Et bienvenue à toi. Alors, pour les dieux, je sais pas. Parce que moi j'ai pas le saison pass. Alors est-ce que ça fait partie du saison pass? Je vais regarder rapidement. J'ai peut-être profité également de changer mes armes. Si tu peux. Alors ici on a quoi? 463. Alors c'est pareil, au niveau des couleurs, je suis un petit peu perdu. Hein. Je te cache pas que. Bon, ça me fait penser un petit peu à The Division. Hein, avec les couleurs des armes. Du bleu, du violet. Du légendaire, etc., etc. Donc je suis un petit peu perdu. Mais moi pour l'instant je me fie un petit peu au niveau des dégâts. Hein, là on a une arc de qualité 71 en dégâts 463. Et là t'as une qualité de 75 pour cette arme là, mais le dégât est moins important. Mais t'as une vitesse de charge beaucoup plus en option et un taux de coup critique. Alors est-ce qu'il vaut... Je pense qu'il vaut mieux choisir cette arme là en fait. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Même si elle fait moins de dégâts. Salut Galin, j'espère que ça va, bienvenue. Ah d'accord, bleu commun, violet, équipe jaune, légendaire, d'accord. J'espère que ça va Gala, j'espère que tu vas bien. D'accord, donc vaut mieux se contenter du violet, parce que le bleu ça reste commun, d'accord. C'est ce qui me semblait. Hein. Donc on va changer ça, et le jaune c'est du légendaire. Ok, ok. Parce que j'essaie de comparer un petit peu au niveau de la qualité des dégâts. Ok. Bon là par contre ce sont des armes que je ne peux pas revendre ni m'en séparer. Tu vois ces armes avec le logo Ubisoft. Ça je peux pas les revendre. Je peux juste m'équiper mais je peux pas m'en séparer. Ça va Gala. Hein. Gala qui me suit partout. J'espère que ça va Vénère. Hein. Et puis merci encore pour le raid. Hein. Ça fait plaisir. C'est bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Il y a un moment, c'est vrai que on s'est pas trop croisé sur Twitch. C'est des cadeaux d'Ubisoft, d'accord. Donc tu peux pas t'en séparer du fait que c'est un cadeau Ubisoft. D'accord. Ah, c'est dommage. Parce que bon, après, ça gêne un petit peu dans l'inventaire. Ok, ok, il n'y a pas de souci. Alors, du coup... Ok, bon. Bon, point d'aptitude, ça c'est bon. Alors je vais essayer de comparer un petit peu au niveau de mes épées. Je vais profiter. Ouais, d'accord. Alors tu vois, il y a plein d'options sur certaines larmes lourdes. Adrénaline atteinte, hémorragie atteinte. Alors le poison, je sais que certaines épées, quand tu les utilises, tu perds la moitié de ta vie. Hein. Étant donné qu'il y a, il y a des poisons ou des options en plus, ça te fait perdre la vie. Enfin, la vie est à moitié par rapport à l'utilisation de certaines armes. C'est ce que j'ai pu remarquer. Voilà, voilà. Bon, on va rester avec cette épée-là. Dégâts 309. 311.
Il y a du choix, hein. Il y a du choix, c'est pas évident, hein. Moi qui suis complètement novice dans le jeu. C'est des armes maudites, c'est ça, Vénère, ouais, c'est ça. Non, ce que tu passes, c'est de la malédiction, c'est ça, Alexandre. Voilà, j'essaie de me faire comprendre un petit peu comme je peux. Parce que... voilà, il y a des malédictions, donc forcément, ça te fait perdre un peu de vie, quoi, tout simplement. C'est bien ça. Bon, après, j'ai essayé un petit peu de me débrouiller par moi-même, parce que, bon, je suis complètement novice. Ah, ici, on peut améliorer le cartois. Carquois, c'est ça. Non, là, il est full. Alors là, je peux augmenter les dégâts de l'arc. Augmente le dégât de la lame secrète. D'accord. Alors, attendez. Épingler. Bon, ça, ce sont les fléchettes qui sont bien utiles. Bon, il faut que je me remette en mémoire un petit peu comment fonctionne cet inventaire. Bon, bien que j'y ai joué hier, mais voilà. Salut Agony, bah re-Agony, j'espère que ça va. Depuis tout à l'heure. 3569, hein, bah ça va. Ok, j'ai rajouté d'ailleurs des nouveaux lots. Hein. Je sais pas si tout le monde le sait. Peut-être Gala, je sais pas si tu le sais. Voilà, je te redonne la boutique. Bah ça fait plaisir de vous retrouver, c'est bien. C'est bien qu'il y a pas mal de monde cet après-midi. Ça fait plaisir. Bon. Je pense qu'on est à peu près bon au niveau inventaire. On va pas trop s'éterniser sur ça. Et on va repartir sur cette fameuse quête. C'est une quête principale, hein, la quête annexe. Pour l'instant, on verra par la suite. Soit 69 coïncidences. Alors, je t'ai posté une belle trouvée sur ton Discord. Ah, d'accord, j'ai pas été voir... j'ai pas été voir... Ingo. J'ai pas été voir sur Discord. Bon, alors, est-ce qu'il va arriver le... Pourquoi il vient pas? Il est trop loin, peut-être. Bon, c'est pas grave. Bon, tant pis, on va pas utiliser le cheval. On va y aller à pied, ça sera plus rapide. De toute façon, le fort qui se trouve là, je vais pas m'amuser à les attaquer. Parce que c'est même pas la peine, j'y arriverai pas. Ils sont bien trop nombreux. Plus longtemps. D'accord. Ah, d'accord. Ok, c'est parce que... Ouais, d'accord, ok. Bon. Ben, ça prouve que j'ai encore plein de choses à apprendre sur... sur Acer Origine. D'accord, faut appuyer plus longtemps. Oh là, il y a du monde par contre ici. Ah, c'est pas génial, hein. Là, je me suis fait repérer d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont nombreux ou pas? Bon, si on s'amusait un petit peu à faire ce camp pour voir. Faire un peu le ménage, hein. Nettoyer tout ça. Ça me permettrait de gagner un peu d'XP. Non, on les laisse partir ou bien? On va peut-être pas trop s'amuser à les chatouiller, hein. Ok. C'est bon, ils sont partis. On va les laisser tranquilles pour cette fois-ci, on va les laisser vivants. Après j'aurais pu mourir aussi, hein. Donc voilà. Passe ton chemin, ouais. Ouais, après c'est ça qui est bien dans Assez Origine, tu peux...
obligatoirement rentrer en combat avec ces fameux soldats qui se trouvent juste à côté de toi. Ou tu le fais en speedrun. C'est-à-dire que tu continues à avancer sur ta quête principale. Voilà. Bon, moi j'aime bien traîner, hein. Je vous cache pas que j'aime bien traîner, j'aime bien fouiller un peu partout. Je suis un peu comme ça, j'aime pas trop foncer dans les jeux moi. Ok, alors on va descendre là. Après je vais te casser si tu veux de bonnes armes à acheter, des coffres. Ouais, y a pas de souci, Alexandre. Si tu peux m'apporter ton expérience ou ton avis sur certains choix des, au niveau, que ce soit au niveau armure, au niveau des armes, bien au contraire, hein. Ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas du tout. Si jamais on me voit ici. Ah, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud et compliqué. Ok. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Ok. Pourquoi est-ce que Flavius fait ça? Ce ne sont que de pauvres paysans de Siwa. Ils étaient sur son chemin. Allez, on va se planquer ici. Oh, je pense que je me suis fait repérer, hein. Non? Non. On va rester planqué dans la paille parce que là je suis sûr que si je sors de là, ils vont me voir. Ah, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Ah, le mode discret, moi je suis pas tip top, hein. Ah mais trop tard, hein. Bon, bah voilà. Tertium, facet des noms. Tertium donc. C'est vrai que c'est efficace, hein. Ah oui, d'accord. Bah merci du conseil, Alexandre. Franchement, le fait de pouvoir tendre un maximum l'arc, bah c'est one shot direct, hein. Ça c'est pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. Mais bon, ça va, pour l'instant tout se passe bien. Je suis encore vivant. Oui, ça aussi, de temps en temps j'oublie de l'utiliser aussi, Alexandre, hein, le mode RBRT. J'ai tendance un petit peu à l'oublier. Pour pouvoir utiliser un maximum de mes compétences, c'est vrai. Ah, bouge de là. Bouge. Ah là, là je vais prendre cher là. Là je vais prendre cher. Alors. D'accord. Purée, le mec fait 3 mètres de haut, hein. Le soldat fait 3 mètres de haut, hein. Il est immense, hein. On dirait un catcheur d'ailleurs. Il doit bien y avoir des survivants, des femmes. Alors ici, peut-être qu'il se cache. D'accord. Bon, ça va, je suis pas tout seul. Y. Il doit bien y avoir des survivants, des femmes, des enfants. Donc faut que je recherche. Il faut que je recherche des survivants, d'accord. Ok. Alors ici. Bah, je me disais qu'il cassait des mots en latin. Par contre, jolie la flèche dans la tête qui le tue pas. Ouais, ou bien peut-être j'ai pas bien visé, ou je sais pas, c'est peut-être un bug. Bon, après je suis pas très doué pour les tirs. Hein. Alors, au niveau des tirs, etc. Bon, là, ça va. Alexandre m'a expliqué un petit peu tout à l'heure qu'il fallait tendre un maximum l'arc pour pouvoir faire plus de dégâts possible. Alors, je pense qu'il faut aller là-haut. Ouais, je pense que c'est ici. Hein. Voilà. C'est bon.
Nebeth, tu n'es pas blessée? Que s'est-il passé? Des capes rouges et cette vermine à la tête de lion. Ils ont emmené tous ceux en état de travailler, les fermiers, mon fils cadet. Puis, il est arrivé. Ah, par contre, la dame, je pense qu'elle voit plus, hein, mon ami. Elle est aveugle. J'ai voulu lui jeter des pierres pour le chasser. Une chose brillante, dorée entre ses griffes. Vous me dites si ça passe bien sur Twitch, hein, n'hésitez pas à me le dire. Certains de leurs s'il n'y a pas de lag surtout, de sinon je risquerais la qualité. Un acte contre nature. Tout le monde pleurait, hurlait, courait, mourait. Et tu t'es enfui. Personne ne fait attention à une vieille aux yeux voilés comme Nénette. Ouais, donc c'est ça. Je les ai vus. Ouais, c'est nickel, d'accord, merci Dirt. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang. Mm-hmm. Les hommes qui ont fait ça, nous les retrouverons. Fais vite, ma fille. Le corbeau a volé vers le nord, là où vit la chasseresse. J'ai entendu les capes rouges. Ramène-moi, cadet. J'essaierai. Flavius m'a aussi volé mon fils. On va l'amener jusqu'à mon chariot. Tu vas suivre Flavius? Alors, je vais l'escorter. Il le faut. On va essayer de les protéger quand même. Hein. On va essayer, je dis bien. On va faire le garde du corps. On va essayer de voir un petit peu comment je vais m'en sortir. Escorter Paxilia et Nénette jusqu'au chariot. Oh, excuse-moi, en plus je la pousse. Ok. Ton fils. Pour tous les fils. Je suis sûre qu'il doit beaucoup te manquer. À chaque heure, de jour comme de nuit. Vous finirez par vous retrouver au champ de roseaux. Je l'espère. On t'a parlé de l'endroit où vit la chasseresse? Oui, à Cyrène. Là où ont été posées les premières pierres de la conquête romaine. D'accord. C'est au nord d'ici. Si Flavius y est... Rien à dire, d'accord, Alexandre. Je le trouverai et je détruirai chaque fibre de son cas. Lorsque tu arriveras à Cyrène, va trouver mon ami Dioclès. Je lui confierai ma vie, ainsi que la tienne. Il donc là, on est sur de la quête principale. Il entend les requêtes à l'Agora. Donne-lui ceci. J'espère que ça guérira la folie de ces terres. Je prierai pour que tu obtiennes justice, Bayek. D'accord. À ton avis, pourquoi ont-ils emmené Cadet? La citadelle a étendu son emprise sur toute la Cyrénaïque. Des rumeurs circulent selon lesquelles le général Agrippa et Flavius son se préparent épée, à la guerre. Contre l'Égypte. J'ai oui, du mal à croire que cette charmante non. demoiselle arrive à je porter une épée comme ça. Hein. Je vais la conduire c'est à immense, mon office hein. de Balagrae, au sud du temple d'Asclépios. Même si cet endroit a déjà connu son lot de souffrances. Je t'y retrouverai si je le peux. Alors, je dois trouver Flavius. Voilà, donc ça c'est une nouvelle quête. On va alors jouer avec le feu, trouver et libérer Cad à la citadelle de Cyrée. J'ai pas bien. Bon, ça s'est effacé trop vite. Ça doit être Cyrénami que je pense. Hein. Les apparences sont parfois trompeuses. Ouais, mais j'ai du mal que cette charmante dame arrive à porter une épée comme ça. Hein. Bon, peut-être qu'elle est légère et elle fait des dégâts. Mais avec ses petits bras, j'ai du mal à croire. Mais bon, c'est que de l'apparence, comme tu dis, Alexandre. Ouais, c'est vrai qu'elle est mal proportionnée, cette épée. Hein. Ça me paraît un peu... Mais bon, du moment qu'elle est efficace, qu'elle arrive à se défendre avec. Hein. Ah, ils sont en train de danser là-bas, c'est la fête. Ils sont en train de danser là-bas. Ok, allez, on y va. C'est parti. Nick Ennis, c'est Jerriot. Vénérez-le! Vénérez-le! D'accord. Ah, ils sont contents, hein. De sirène. Quelle belle musique! Ah, de temps en temps, il y a des petits délires comme ça dans la série. Ça, c'est sympa. C'est mauvais. C'est contre nature. Ils vont danser jusqu'à ce que leurs pieds saignent. Alors, allez voir Proxilia l'Hospice. À l'Hospice, par contre. Excusez-moi. J'ai mal prononcé. Ah là là, mais juste énorme comparé au reste. Mon fils, mon pauvre fils. Alors pourquoi on a un point d'exclamation aussi?
Ah, faut peut-être le libérer ou l'escorter. Mais bon, je vais passer mon chemin. Je pense que ça doit être ça, faut l'aider. Hein. Alors par contre, j'ai mis un marqueur, je vais le retirer parce que ça me perturbe. Alors c'est pas ça. Où j'ai mis le marqueur en fait? Non, c'est pas ça. Ah, je vais passer là le marqueur, comme ça je serai pas embêté. Voilà. Re Megan, j'espère que. Hello, désolé, je suis très demandé sur Twitch cet après-midi. Non, mais t'inquiète, Megan, y a pas de souci. Hein. J'espère que ça va. Bah, depuis tout à l'heure. Ok, donc on y va. Alors, on va aller voir Praxila. Bayek, tu as. Comment va notre courageuse veuve? Bien, comme tu peux le voir. C'est le troisième. Petite victoire. Ah bah c'est, oui, c'est un samedi chargé alors, Megan. Bah, moi j'avais pas trop prévu de stream. Flavius hein. Est venu ici. J'avais dit, mais ce n'est pas le pire. Bah, comme je t'avais dit, expliqué, Megan, hier après-midi, je ne savais pas si j'allais dispo ou pas, mais bon. Depuis que Flavius est venu, ça n'est pas une coïncidence. C'est un samedi assez calme pour moi, donc j'ai dit, allez, on va profiter un petit peu de streamer. Il est porteur d'eau au temple. Je dois aller voir la prêtresse Melita. Elle fait trop de zèle, mais je refuse de croire qu'elle s'en prend aux malades et aux mourants. Méfie-toi. Je reviendrai après avoir parlé à Krios. Alors, trouver Krios, l'ami de Praxilia. D'accord. Si Dioclès était mon amant, je l'aurais enchaîné au lit. Je suis monté d'un level, je suis passé 34. Tu dis ça parce que tu ne penses qu'aux hommes. Praxilia. Alors, on va essayer de le repérer avec ses nus. D'accord. Alors, s'il faut aller là, c'est du level 35. Bon, je dis pas que c'est pas impossible, mais on va voir un peu. Alors, un petit peu, comment je pourrais le repérer avec ses nus? Ok, donc cible localisée, c'est parfait. Bon, après, il y a d'autres missions à faire entre deux, hein, les quêtes annexes aussi, hein, qui permettent de gagner un peu de, un petit peu du level. Bon, on n'est pas loin, on est à 125 mètres. Par contre, t'as du soldat, hein. Y a de quoi. Je vais passer où alors du coup? C'est l'homme le plus beau de Sirène. Non, du monde. Flavius. Flavius, nous devons tous chanter son nom. J'ai quitté mon mari pour Flavius. Oh Flavius. Si seulement il pouvait le voir comme je le fais, je suis prête à mourir pour la croiser pauvre femme. Oh cette Flavius dame, elle est. L'a éloigné de son mari. Elle est tombée sous le charme de Flavius, hein. Je tuerai ma famille pour une nuit avec le lion. Qu'est-ce que je dis? Aide-moi. Rien que pour une nuit, hein, elle est prête. Mon amour pour Flavius. L'Égypte continue de ne faire aucun cas. Flavius. Ne peut me satisfaire. Ni toi. Apparemment, Flavius prêt. Il a l'air de bien plaire à certaines femmes. Ok. Je vais devoir être prudent. Oh, je me suis fait repérer. Ah forcément, écoute, si je passe par l'entrée principale, le ça me paraît logique. Il les yeux sur moi pour que j'attende un enfant. Alors. Ah, il m'a repéré. Il m'a repéré. Donc on va passer, sur les côtés. Comment ça, on a quitté son mari pour Flavius? Ça, c'est pas bien, ça. C'est pas raisonnable. Qu'est-ce qu'il a de plus, Flavius, par rapport à son mari? Je sais pas. Mais en tout cas, elle a l'air de l'apprécier. Hein. Flavius, c'est quoi, dit? Ouais, je me pose la question aussi, gala. Parce que, attention, elle a quitté son mari exprès pour.
Bon, allez, on va pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, elle a l'air bien, bien heureuse, cette dame. Alors, il faut que je rentre à l'intérieur du bâtiment. D'accord. Ah, ici, un petit papyrus à récupérer, ici. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, non, mais ça a l'air d'être bon. Hein. Bon. D'accord. Il est vraiment magnifique, cet aigle. Hein. Je le trouve vraiment très beau. Hop. Allez, on passe en position furtif. Trouver le papyrus caché à proximité. Bon, je l'ai vu. Ça, y a pas de souci. Il est beau, hein, Durtin. Il est magnifique. Hein. Avec son envergure, là, il est impressionnant. Et magnifique, franchement. Alors, faut que j'aille là-haut. Bah, je vais essayer de passer par ici. Sans me faire voir. Voilà. Donc là, on est bon. On s'est pas fait repérer, c'est le principal. Rios. Et on est juste ici. Voilà. D'accord. Réveille-toi. Il a pas l'air d'être bien, lui. Où est Flavius? Où est-il? Prends ton envol, corbeau. Oula. D'accord. Une autre vie gâchée par ce vautour de Flavius. Alors je dois le porter jusqu'à l'hospice. Hein? Mélita, la vipère du bâton. La prêtresse. Ah, par contre, non. Je peux pas repasser de par où non, je suis passé Flavius, tout à l'heure. Pitié. Du fait que je suis obligé de le porter. Je ne pense pas que je vais pouvoir repasser dans au niveau de la fenêtre. Hein. Par où je vais le passer? Là, je vais me faire choper aussi, non? Allez, on va passer là. Voilà. Voilà, là, on est bon. On est discret pour l'instant. Alors, on va se cacher. On va tout simplement se cacher pour l'instant. On va pas les combattre. Balance-le par la fenêtre. Si les dieux l'aiment, il sera protégé. Ah ouais, j'aurais pu tenter de le balancer par la fenêtre, mais je ne pense pas qu'il aurait survi. Hein. C'est pas une mauvaise idée, Galan. Ça aurait été possible. Ne bouge pas, surtout. Voilà. Lui, je pense qu'en passant par ici, il m'a pas vu. C'est vrai que c'est tentant, j'aurais pu faire ça. Mais il vaut mieux pas se faire repérer, hein, vu le nombre de soldats qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment. C'est toi que je vais balancer. C'est pas mal, ça. Ah, par contre, là, comment je vais faire aussi? Et en plus, il est lourd. Bon, ça va, tout se passe bien. Pour l'instant, je suis pas fait repérer. Yes, c'est bon. C'est l'homme le plus Alors, faut savoir sirène. Que non, dans ce jeu, forcément, comme vous, Flavius, vous l'avez deviné, Flavius, les chats, c'est pour eux, c'est symbolique. Hein, en Égypte, c'est tu peux pas les si tuer en fait. Il pouvait le voir comme je le. Je suis prête à mourir pour croiser de nouveau le regard du grand Flavius. Arrête-toi. Si Dioclès était mon amant, je l'aurais enchaîné au lit pour l'empêcher de partir à Cyrène. Il y a des trucs torrides hein, dans ces origines. Je pense qu'aux hommes. Il y a des trucs assez torrides. Hein. Là, il parle d'amant, il parle de je sais pas trop quoi. Je pense que c'est ici qu'il faut que je le dépose. Voilà. Praxila,
Arrête de brailler. Les malades ont besoin de repos. Praxila ! Oh, comment je l'ai déposé. Je l'ai jeté à terre. Oh, les pauvres. Oh oui. Ne pas se... À mon gabarit, je suis baraqué. Alors, du coup... Voilà. D'accord, d'accord. Parle moins fort. Ridicule. Elle est partie voir la prêtresse. Non, la prêtresse. Un serpent dans la pomme. Elle les a. Elle les garde cachés. Des murmures et des secrets. Des secrets voilés. Son sanctuaire des murmures. C'est toi, Bayek, qui l'a mis dans cet état? Ah non, c'est pas Est-ce moi. Que Praxila t'a dit où elle allait? Moi, j'ai rien fait. Dans les montagnes, mais... Il était complètement déjà... Je vais au sanctuaire des murmures. Complètement cinglé quand je l'ai récupéré. Hein. Alors, trouver le sanctuaire des murmures. D'accord. Alors, on va partir dans la zone là-bas. Ils sont trop beaux, les chats. Hein. Dans le jeu, ils sont vraiment mignons, les petits chatons. Hein. Ouais. Morias paraske vasma da tuda nestil. Voilà, alors ici. On va partir là-haut, mais je sais pas comment je vais faire pour y aller. Allez, salut Sky, j'espère que ça va. Bienvenue. On va peut-être passer par là. Ouais, je pense que je vais pouvoir peut-être contourner un peu le. Venez, venez. Ah, barrez-lui la route. Ok. Ah, c'est pas bon ça par contre. Je me suis fait repérer. Voilà, c'est fait. J'ai fait le grand ménage. J'ai fait le nettoyage. Ah, ça va, Sky, ça va. Bon, il y a des moments, c'est pas trop top au niveau santé, mais ça va. On essaye de le faire aller, quoi, hein, tout simplement. Hop. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas trop, quoi. Comme d'habitude, hein. Alors, je suis obligé de carburer un petit peu à la morphine, mais bon, j'ai pas trop le choix. Oh, je tire à côté par contre. Oh, tant pis. On va pas utiliser les flèches, on va les garder. Allez, on va utiliser ces nus pour pouvoir repérer un peu. Pour trouver le sanctuaire. Ah, je pense que ça doit être là, à mon avis. Ah, c'est ici. D'accord. Alors, c'est du 35, hein, level 35. Ça va pas être facile. Je suis 34, il y a du 36 ici. Mais bon, si j'arrive à peu près à m'y prendre correctement, ça devrait aller. On va voir, hein. Il y a rien d'impossible. Hein. Voilà, voilà. On fait quoi? Ah, j'espère que ça a été vénère ta soirée. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Tu m'avais dit que tu sortais hier soir. J'espère que ça a été. Que le réveil n'a pas été trop difficile. Alors, de moment, je devrais l'avoir. Ah, je suis à côté. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre et puis me faire très 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 discret pour pas me faire repérer surtout. Voilà. Ah, merci Sky pour le host, c'est sympa. Merci beaucoup. Ah, t'as la gueule de bois.
Oh, je m'en doutais un petit peu, hein. Oh, il y a un lion. Il y a un lion. Je m'en doutais un petit peu. Comme tu m'avais annoncé ta soirée, je me suis dit, à mon avis, il y a quelqu'un qui va avoir mal à la tête demain matin. Enfin, ce matin, surtout. Oh, je vais me faire avoir. Non. Oh, purée. Non, non. Non, 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 non. Tu bouges. Non. Tu me touches pas, le lion. Tu me touches pas. Ah, bah, je suis mort. Je suis mort. Discrétieux Silver. Non, non, bah là, j'ai pas été discret. Après, je l'ai cherché un petit peu. Hein. J'ai vu des lions. Je me suis dit, je vais essayer de récupérer leur peau et tout ça. Mais j'aurais peut-être pas dû. Hein. Bah, peut-être, de toute façon, m'aurait repéré. Hein. Bon, c'est pas grave. J'ai tenté le coup. Je les ai pas eus. C'est eux qui m'ont eu. Et tant pis. Hein. Ça, c'est les lions. Hein. Oui, oui. Alors, attendez. Peut-être prendre... Non. Prendre peut-être les fléchettes pour les endormir avant tout pour pouvoir les tuer. Alors, non, c'est pas ça que je dois faire. J'ai pas bien sélectionné. Voilà, là on est bon normalement. Non, c'est les flèches que je dois sélectionner. Voilà. Ok. Ah, j'arrive pas à viser. Mais non. Ça marche pas. Pourquoi je peux pas utiliser les fléchettes? Alors attendez, je vais essayer de savoir pourquoi. Ah ouais, pourtant c'est sélectionné. Voilà. On va y arriver. Vous inquiétez pas. Ah voilà, bah là c'est bon. D'accord. En fait, j'appuyais pas sur la bonne touche. Forcément. Allez, tu vas faire dodo, toi. Oh, il y en a un là aussi. Il y en a un là. Bon, alors, en fait... Non, c'est pas ça non plus. C'est pas discret, ça. Hein. J'ai pas été discret du tout, hein. Mais pas du tout. On va s'éloigner un petit peu pour resélectionner les flèches. Il y a que ça à faire de toute façon. Voilà. C'est bon, pour l'instant je m'en sors. Tire dans la tête. D'accord. Bon, la discrétion ça marche pas. Hein. Avec moi ça marche pas vraiment. Alors, je vous laisse, je reviens dans un moment. D'accord, Dirt, il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. Pour info, je live jusque 19h30. Hein, voilà. Bon, j'irai pas beaucoup plus loin. Ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, peut-être à tout à l'heure, Dirt, il n'y a pas de souci. Agro, attention, des méchants, et puis sauf le codage. Du cul les empêche de quitter leur enclos. Ouais, après le PNJ, l'IA est un petit peu à la ramasse. Hein. Bon, alors pourtant que je suis level 34, là ils sont 36, ils sont pas très agressifs par contre. C'est vrai que ça reste un petit peu... ils paraissent un petit peu à la ramasse, c'est vrai. Je te cache pas que... Mais il y a des moments sur certaines situations où ils sont assez agressifs. Surtout pour des camps. Hein. Quand il est question de défendre un camp ou quelque chose comme ça, il y a des moments ça pique un peu dans les combats. Voilà. Mais bon, le jeu reste quand même correct. Hein. Franchement, pour moi, c'est un plaisir d'y jouer. Un secret dans les montagnes. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Praxila. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait bien plaisir.
Bon, je pense pas qu'il y a plus de... Ah si, il y a encore des gardiens. À mon avis, il y a encore du monde. Bon, là, là je rentre par là, hein. Là. Je passe par ici, j'ai pas trop de choix pour me faire opérer. C'est pas trop top. Voilà, assassiner la prêtresse. Donc, il faut que je l'assassine. On va essayer de voir comment je vais pouvoir procéder. Ouais, quand même violent les ennemis quand ils s'y mettent. Ouais, ouais, c'est... Ouais, ça dépend de la situation, en fait. Hein. Si tu... vraiment, tu t'y prends mal quand tu vas attaquer un camp ou quelque chose comme ça, tu peux prendre cher. Hein. Ouais, s'ils sont deux levels au-dessus de toi, à mon avis, il suffit qu'ils... qui te tire deux trois flèches, tu prends cher directement. Ça, c'est tu meurs direct. Hein. C'est la mort directe quand c'est comme ça. Ça dépend de la situation en fait. Hein. Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Voilà. Alors moi, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas trop corps à corps. J'aime bien utiliser les flèches. L'alliance de la science et de la magie. Tu n'es rien voilà. D'autre qu'un pion de Flavius. Tu manques cruellement. On va profiter de les libérer. Je ne sais pas si vraiment c'est intéressant de le faire tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est certainement une quête annexe. Hein. Ouais, il est trop tard. C'est pas bon ça. J'aurais pas dû faire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Semper Flavium. Ah, le mec, il fait 3 mètres de haut. Hein. Le mec fait 3 mètres de haut. Hein. Elle bouge pas. Elle veut se laisser assassiner apparemment. Elle n'a pas peur. Ouais, c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'un petit peu l'IA est un peu à la ramasse. En fait, elle veut se laisser assassiner. Cette femme était une guérisseuse. Ça sent le traumatisme. Bon, je dis ça, je dis rien. Les culs de nus vont crever et souffrir avec moi. Ah oui, dans... C'est The Forest, c'est ça. Hein. Tu parles de The Forest, Agonie. Hein. Il me semble que c'est ça. Hein. Parce qu'il y a des cunus aussi dedans. Hein. Alors ici. Honte. Cette femme était une guérisseuse. Alors, je pense qu'il faut passer ici. Gaash, Ornette. Quoi? Jeset Ibi, Beshetchu Mesou, Irabui, Neset. Non, on les a libérés, c'est parfait. Si je le pouvais, je réduirais cet endroit en cendres. Le roi a affronté la mort avec honneur. Ouais. J'ai peur pour l'avenir de la Cyrénaïque. Mélita était folle. Cette relique, celle que Flavius a utilisée à la ferme, il s'en est servi ici. En voyant Krios, je l'ai su. Je l'ai senti enfoncer ses griffes dans mon esprit. Elle est malsaine et insidieuse comme un parasite. Elle a le pouvoir de contrôler les esprits et de faire de nous des esclaves. Notre sort nous appartient, Praxila. Et nous lutterons toujours pour ça. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais oublié de récupérer le papyrus aussi. Bon, c'est pas grave. Je crois ça la prochaine fois. Bon, on va essayer de sortir vivant de cet endroit. Voilà. Jolie coupe de cheveux, Praxilia. Ouais. Ah ouais, t'as des trucs, c'est un peu particulier. Il y a des trucs assez marrants. Il y a la réaction de temps en temps de certains personnages dans le jeu qui font que t'es obligé un petit peu de rigoler, quoi. Ok. Mais il est mort, forcément. Voilà. Mélita ne pouvait être sauvée. C'est moche. Après ce qu'elle a fait, comme je ça, lui aurais tranché la gorge moi-même.
GG pour le level, Gala. GG pour ton level. Pour Balagrae, je n'aurais jamais osé demander autant. C'est pour ça que je l'offre librement, tant que la liberté a encore un sens. Tu n'en as jamais assez de laisser tant de gens derrière toi? Une part de moi, oui. Mais je n'ai jamais eu le choix. Et des gens, j'en rencontre d'autres. En attendant, elle est quand même jolie, hein, cette femme. Pas, Praxila. Praxila est quand même mignonne. C'est sa guérisseuse. Vous l'avouez? Son Medjay. Il est temps désormais de laisser cette folie derrière nous, Bayek de Siwa. Tu le trouves assez, assez classieux, d'accord. Burke. Oh, du 82 en qualité. Mais par contre, je n'ai pas le level pour la récupérer. Il faut être niveau 35, mais on va mettre ça de côté. C'est plutôt pas mal. Donc, alors après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je pense qu'à mon avis, il faut les aider. Alors, comme vous pouvez le voir, je fais beaucoup, beaucoup avec mon arc. Hein. Généralement. Allez, on va essayer de le... Le lion va prendre feu. Il va prendre feu. Voilà. Il y en a encore un ici. Bande de sauvages. Voilà, ça c'est fait. Ouais, je tire à côté. What? J'ai la première flèche, je l'ai loupé un peu. Hein. Ah, t'as vu le boulot sur cette coiffure, ça se voit qu'elle m'en fiche pas beaucoup de la journée, celle-ci. Bah, les femmes à cette époque, on peut dire qu'elles foutaient pas grand-chose. Sylvain, tu m'as tué, sniffle le lion, je suis tristesse. Bah ouais, mais c'est soit qui me mange ou bien tout simplement, je suis obligé de le tuer. Hein. Il faut pas être agressif avec moi, moi je me défends. Hein. Voilà. Donc c'est lui qui est passé à la casserole, quoi. Voilà, j'ai récupéré sa peau, moi ça me fait de l'argent. Simba est mort. Il était beau le lion. Mais bon. Allez, on va se faire une petite un petit book. Voilà. Bon, puis en plus, c'est nu derrière Med également. Voilà, je vais pouvoir récupérer sa peau. Hop, voilà. Alors, au niveau des quêtes, on est passé sur quoi? Alors, trouver et libérer Cad. La citadelle de Cyrenaïque. Bon, on va prendre cette quête-là. On va voir un petit peu au niveau équipement ce que ça donne. Alors, ça c'est quoi ça? Bon, c'est pas trop intéressant. Il va falloir que j'aille voir un vendeur aussi. Un petit peu pour vendre certaines... Oh, 82, mais je suis pas le level 35. Donc je vais attendre. Point d'aptitude, j'ai qu'un point d'aptitude, donc c'est pas intéressant. Ici... Là on est full, on peut pas faire mieux. Niveau bouclier, j'ai quoi? C'est comme tout à l'heure. T'es lion. Salut LAMT, salut à toi, bienvenue sur le live. Je joue avec quel arc? Alors là, j'en ai aucune idée, justement, je vais profiter
de te faire voir un petit peu ce que j'ai. Alors, j'ai cet arc là, l'arc du guerrier légendaire. Je sais pas si elle a un nom bien spécifique. Donc j'ai ça. Avec des trucs en plus. Enfin, des améliorations, précision, hémorragie, atteinte et santé. Atteinte. Et je, le fléau du loup. Voilà. En ce qui concerne la deuxième arc de chasseur rare. Voilà. Avec une qualité de 75, dégâts 462. Vitesse de charge et taux de coup critique. Voilà un petit peu ce que je peux te donner comme info. Après, je suis un peu... On va dire que je suis novice dans le jeu. Hein. Pour moi, c'est la première fois que j'y joue. Alors, j'y joue depuis pas mal d'heures. Hein. Je suis à plus de 60 heures de jeu quand même. Mais pour moi, c'est mon premier Assassin's Creed. Voilà, tout simplement. Donc je suis un peu, je suis vraiment novice hein, dans cette licence, hein, enfin dans cette saga. Voilà, voilà. Merci hein, pour les commandes, Megan. Alors, ici on doit aller où? À 600 mètres. Mais bon, mon avis, je vais te donner tout de suite mon avis par rapport à ce jeu. Pour moi, franchement, il est vraiment bien. Hein. J'adore. Hein. J'adore ce jeu-là. Oh, ça faisait un peu plus de 2 mois, j'avais pas eu trop l'occasion d'y jouer. Parce que j'ai notamment fait d'autres jeux en live. Donc je suis vraiment bien content de pouvoir de nouveau y rejouer. Hein. Voilà, donc j'ai terminé Far Cry 5. Donc je me suis dit, on va continuer, on va essayer de terminer également ce AC Origine. Par contre, la semaine prochaine, à partir de vendredi, il y aura du God of War sur PS4. Hein. Voilà, ça sera prévu. Je pense qu'il y aura entre deux, je continuerai certainement aussi du AC Origine. Et puis comme d'habitude, hein, j'essaierai de faire un peu de... Soit du Forza, soit du Fortnite, soit du Overwatch, je vais voir un peu. Faire quelques jeux multi, du Dying Line également, c'est prévu. Là ils sont. Hey, n'espère pas t'enfuir. Oh toi, tu vas souffrir. Je vais te transpercer. Tu aurais dû profiter de tes talents et devenir honnête. Je tape à côté là. À portée de tir. Voilà, j'ai une bonne nouvelle. Ah, par contre, au corps à corps, je suis pas bon. Hein. Tout ce qui est corps à corps, je suis pas bon. La preuve en est, je meurs. Je suis très mauvais. Hein. Je préfère vraiment, vraiment me utiliser en priorité l'arc. Et après, quand j'ai pas trop le choix, tu faire du corps à corps. Mais ouais, c'est l'occasion de déboussiérer la PS4. C'est vrai qu'il y a un bail, j'ai pas joué sur PS4, même sur la One, Megan. Hein. Et à un moment, j'ai pas trop eu l'occasion de me concentrer un petit peu sur les deux consoles. Parce qu'il n'y a pas eu trop d'exclus. C'est vrai que j'ai plus joué sur PC ces derniers temps. Parce que bon, il faut l'avouer, hein, au niveau des prix, au niveau des jeux, c'est quand même nettement plus intéressant. Mais sinon, ouais, je vais être bien content de retourner un peu sur la PS4, oui, effectivement. J'ai encore des jeux à terminer d'ailleurs sur PS4. Hein. Il y a le DLC d'Horizon. Alors, les armes légendaires, tu les lootes où? Alors là, malheureusement, LAMMT, je peux pas trop te donner trop d'infos parce que je vais complètement zapper en fait. Hein, ou j'ai plus les looter. Ou j'ai plus looter les armes parce que j'oublie assez facilement certaines actions dans le jeu. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'apporter un peu plus d'infos là-dessus. Mais je pourrais pas trop te conseiller comment j'ai pu faire, hein, malheureusement. Les consoles vont les consoler, oui, effectivement. Voilà.
Ah, je vais vous redonner un petit peu aussi, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, un petit peu quelques infos. Voilà, par rapport à votre présence sur le live. Voilà, avec le lien de la boutique. Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique et puis à follow la chaîne pour pouvoir participer et pour pouvoir récupérer les lots, tout simplement. Voilà, donc plus vous êtes présent sur la chaîne, plus vous gagnez de la monnaie. Et par rapport à ça, vous pouvez repartir avec tous les lots que je viens de mettre en place sur cette boutique, tout simplement. Voilà, voilà. C'est histoire un petit peu de essayer de fidéliser un peu les viewers. Voilà. Quoi? Hey, j'aurais pas dû venir ici. J'ai la cible en vue. Alors j'avoue qu'au corps à corps, je suis pas bon du tout. Alors j'ai beau me protéger avec mon bouclier, mais ça fait mal, hein. Ça pique, hein. Là par contre je prends cher. Je prends très cher. Donc vaut mieux m'éloigner. Voilà. Donc le mieux c'est d'utiliser l'arc, hein. C'est plus efficace. Par contre là au niveau vie c'est pas terrible. On va entendre un petit peu, de reprendre un peu de vie pour pouvoir les affronter. Bon, je suis pas obligé de le faire, hein. Je peux partir directement sur la quête, hein, mais bon, de temps en temps ça fait, je dirais que ça te permet de gagner un peu d'XP. Oui, d'ailleurs Megan est reparti avec un casque, hein. Faut savoir, un casque haut de gamme, par rapport à sa présence. Voilà, donc là, pour prouver que la boutique fonctionne, hein, voilà. Il y a également Vener qui est reparti également avec un jeu Xbox, Wolfenstein 2. Bon, je sais pas, je suis pas persuadé, je sais pas si le jeu te plaît vraiment, mais bon, voilà. Allez, on va les rattaquer de nouveau. On va faire un peu le foufou. Je vais te tuer. Il est pas évident, hein, lui. Hein. Il est pas évident, il est pas facile à avoir. Hein. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Écartèlement. Ah, tu veux te faire écarteler, gars-là. C'est spécial, ouais, faut le dire que c'est spécial, ouais, effectivement. Voilà. Allez, on va prendre le cheval. Hop. On y va. Oh. Oh, par contre, le bidet va prendre cher là. Je pensais que j'allais tomber avec. Bon, déjà, faudrait qu'un jour que je les fasse tuer les robots nazis. Ouais, on va pas le jeu, je l'ai sur PC, il est bien. Hein. Moi, c'est un bon petit fouloir, hein, si tu veux vraiment te défouler. Et puis, voilà, c'est pas non plus le jeu de l'année, hein, forcément, mais voilà. C'est un peu particulier, forcément, hein, du fait que ça se passe dans une époque un petit peu particulière. Mais bon, c'est un peu comme du Doom, hein. Doom ou bien... voilà. Il est bien, ça bouge dans tous les sens, c'est... voilà. J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de le streamer. Bon, je l'ai terminé en dehors de Twitch, hein. D'accord, que okay, c'est bon. Une frite cannibale. Tu n'es pas un homme, tu es une frite. Alors ici.
y a du monde, hein. Ouais, ça c'est le fort de tout à l'heure, ça. Et on va pas y aller parce qu'il y a beaucoup de monde. Je vois pas trop l'intérêt. Ok. Allez, on va récupérer des flèches avant de partir au combat. Parce que sinon, sans flèches, je ne suis rien. J'ai beau avoir une belle épée. Vu que je ne sais pas trop bien l'utiliser, voilà, on va se contenter de l'arc. Hop. Plus passer par ce côté là, ouais. Ah, je vais prendre plus à gauche. Hein. Ok. Ça va pas être facile. Hein. Bon, ils sont à un ou deux levels en dessous de moi, mais bon. C'est pas pour ça que je vais m'en sortir. Alors, on va passer ici. Il n'y a pas de garde ici, non. Okay. Mieux vaut ne pas attirer l'attention ici. Alors, prendre les petites fléchettes empoisonnées, enfin qui permet de leur faire, ça permet de leur faire passer une bonne nuit. Voilà. Non, c'est à droite. Faut que je passe à droite. On va essayer de les éviter quand même. Hein. Voilà. Ça va pas être facile. Ça va pas être simple. Sans se faire opérer là, ça va pas être facile. Je suis pas persuadé que ça va passer. Oui. Bon, ça passe. Pour l'instant, ça va. Cadet, ta mère m'a envoyé te chercher. Parisette. Tu es Bayek de Siwa. Voilà, c'est fais-moi bon. Sortir et je t'aiderai à tuer ces vautours de Romains. Bon, il va falloir les affronter à mon avis. Hein. Alors, faut que je sauve d'autres prisonniers. Donc, à mon avis, on sera obligé de les combattre. Hein. On n'a pas trop le choix. À moins de rester discret, peut-être. On va essayer. On va essayer de rester dans la discrétion. Lui, on va lui faire un petit dodo. Voilà. Allez, dors. Ah, où les dieux ? Il est ivre. Je dois l'honorer, Flavius, notre chef. Voilà, c'est bon. Je vais peindre son nom. T'as rêvé ? J'ai rêvé que Silver, c'était Sonic. Mégane. Ah non, je te garantis que je ne bouge pas aussi rapidement que Sonic. Hein. C'était pas. C'est pas possible. Hein. Bah ça va si. C'est un beau rêve. En plus, je sais que t'aimes bien Sonic donc. Ils ont perdu la tête. Ah, il m'a repéré. Flavius peut leur faire ça. Il m'a repéré. Voilà, c'est bon. L'Égypte ne se soumettra pas. Aide-moi, Bayek. Protège le Neb. Bon sang. Oh, ça a l'air d'aller. Il va se tuer. Non, faut passer où? Ah ouais, carrément. D'accord. Ok. Reste derrière moi. Protège le Neb. Ego l'odre et l'ordina. En protection. Ils ont perdu la tête. Comment Flavius peut leur faire ça? Alors là, je dois les escorter jusqu'à hors de la prison. D'accord, bon, on va pas traîner. Hein. Sont on va les escorter en dehors de la prison. Ils ont perdu la tête. Comment voilà. Flavius peut leur faire ça? Après, on va dire que je suis fou par moment.
Ah, ils sont bizarres tes rêves en ce moment. Bon, moi, je fais très peu de rêves. Hein. C'est rare. Hein. Personne ne nous aura. Voilà. Vu les nuits que je passe en ce moment, c'est pas trop top. Hein. C'est plus des nuits blanches que du rêve que je fais. Hein. Alors, on doit aller où en fait? Escorter, d'accord. Bon, on va aller ailleurs. Hein. Pourquoi ils viennent pas en fait? Pourquoi ils me suivent pas? Faut tous les tuer ou bien? Ah, peut-être, c'est peut-être ça. Tu ne passeras pas, toi! Moi, je sais pas, j'ai pas compris là. En protection! Ah, faut peut-être lui parler. Mais comme ça, espèce de singe! Les dames vont une consommation! On aime mort à tous les rangs! J'ai pas compris là. Je sais pas pourquoi ils me suivent pas. Je suis parfaitement normal dans ma folie. Bah, c'est pas. On se fait pas de mal à rêver, hein. Tant que c'est pas des cauchemars. Alors. Ah, c'est bon. Fallait tout simplement m'éloigner. Et là, je dois parler à Cad. D'accord, il est là-bas. Ok, là, c'est parfait. Ok. Voilà. Fallait que je m'éloigne de la prison, tout simplement, en fait. Hein. J'ai vu ce qu'a fait Flavius. J'ai vu ce qu'il a fait à notre peuple. Ma mère, tu l'as vu? T'es couché à 3 heures? Bien. Oui. Bah, moi, je me suis couché assez tard, Megan. Hein. Merci, bah, comme je t'avais dit, hein, j'ai regardé une série sur Amazon, Amazon Prime. Et puis, pourquoi les Romains t'ont amené ici? Oh, j'ai dû me coucher, il devait être 4 heures à peu près. Nous travaillons pour eux. Je me suis mis la série. The Terror, en fait. Hein. L'ingénieur voilà, romain de la c'est une nouvelle série qui était dispo sur Amazon. Je vais aller trouver ce marchand de mort. Va rejoindre ta mère. Elle sera heureuse de te voir. Alors, désolé pour mon anglais, hein, il n'est pas très bon. Voilà libre de ces tyrans romains. Bah, ça va, j'ai bien apprécié cette série-là. D'ailleurs, je l'ai terminée. Oh, je prends feu. Ah, je prends feu! Chaud devant! J'ai eu? Ouais, c'est bon. Yes. Oui, je suis passé sur le live de Kanjo. Ouais, il devait être assez tard, Sky. Hein. Je sais plus quelle heure qui était. Ouais, mais effectivement, Sky, ouais. J'ai profité du coup. Bah, il n'y avait pas d'autres lives. J'ai pas vu d'autres personnes streamer, donc du coup j'étais salué Kanjo. D'ailleurs, pour info, hein, pour ceux que ça intéresse, il y a un marathon qui est prévu. Un marathon à partir de la semaine prochaine, il me semble. Enfin, n'hésitez pas à aller voir. Oh, c'est pour une bonne cause en fait. Hein. C'est pour une association qui. Pour une maladie, il me semble. Hein. Je pense que c'est ça. Ah, il est interdit. Désolé, hein, Sky, si tu peux éventuellement apporter des infos là-dessus. Voilà, donc c'est un marathon qui va durer pas mal de jours. Donc n'hésitez pas à passer à les encourager, surtout. Surtout que c'est pour une bonne cause, hein, donc c'est important. Caricature. Ouais, c'est ça, Sky, c'est bien ça. À partir du 20 avril, c'est bien ça. Voilà, donc je suis assez. Je veux dire, quand il y a ce genre de truc, je participe assez régulièrement. Enfin, je participe. Généralement, je fais des dons. Je participe parce que c'est pour une bonne cause. Hein, faut savoir Allez, qu'également. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu également la chaîne Open Dream. C'est pareil, c'est une chaîne pour tout ce qui concerne les enfants malades également. Donc je participe également. J'essaie de hoster de temps en temps, de participer également à ce genre de trucs. Pour moi, c'est important. Pour moi, ça a son importance. Parce que je sais ce que c'est la maladie. Hein. Voilà. Donc j'hésite pas à en parler. Et puis à également soit hoster ou bien de temps en temps à participer à ce genre
à ce genre de principe. Ce qui prouve que le jeu vidéo peut apporter également pas mal de bonnes choses. Hein. Il n'y a pas que du négatif. Voilà. Enfin, bon, après, c'est mon avis. Hein. Voilà, tout simplement. Ah, tu participes, Sky, d'accord. Ah bah c'est bien, c'est pour une bonne cause en plus, c'est bien, c'est pas mal. Comment Flavius peut leur faire ça? Voilà. Ils ont perdu donc, la tête. Je pense qu'il faut les encourager par rapport à ça. Ça voilà. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'organisation, etc. Flavius, notre chef, notre libérateur, le et... Salut démon, j'espère que ça va, bienvenue. Donc ce sont des trucs qui me tiennent à cœur quand même tout ça. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc je pense que financièrement je vais certainement faire un don pour cette bonne cause. Voilà. Dans l'été, Ibi. Voilà. J'ai les moyens, je ferai un don également. Ouais, non, mais je m'en doute, Sky. Hein. Après, c'est pas forcé. Hein. Je comprends très très bien. Et ils ne forcent pas les choses. Hein. Ce sont toujours au bon vouloir de la personne. Hein. Tout simplement. Hein. Je comprends très bien. Hein. Pareil, hein, moi, je ne force pas les gens à faire des dons ou à prendre un sub. Hein. Ça, c'est... voilà, ça me paraît logique. C'est selon vos moyens et puis voilà. Mais moi, ce genre de truc-là, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, il y a eu Bourinator qui a fait également un live de 24 heures. Je pense que vous connaissez peut-être Bourinator. Ah, moi, je ne sais pas si vous l'avez dans vos favoris. J'ai participé. Hein, il avait fait un 24 heures pour pour également tout ce qui était quelqu'un qui était malade en fait, qui avait besoin d'avoir de... Voilà, bon, c'est pas un... Voilà, donc je participe à ce genre de truc. Pour moi, c'est important. Voilà, voilà. Alors, oui, c'est sûr, moi j'apprécie ce genre d'acte si ça peut contribuer à aider les malades. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement, Sky. Ah oui, Megan, bah franchement, ça serait sympa. Hein. Ça serait sympa si tu pourrais également contribuer à mettre un article sur ton blog. Je pense que Sky va te contacter et puis te filer l'adresse de la chaîne hein, pour ce truc, pour ce grand live qui va avoir lieu à partir du 20. Voilà. Il n'y a pas de souci, Megan. C'est vraiment gentil de ta part. Allez, on y va. Parler à l'ingénieur de l'aqueduc. D'accord, alors en fait, il est pas tout à fait fini, hein, l'aqueduc, à mon avis. Il est encore en construction, donc on va aller parler à l'ingénieur. Ouais, d'accord, Sky. Ouais, bah en plus, c'est sur le Discord, il n'y a pas de souci. Hein. Pas de problème. De toute façon, moi je dis tout le temps, hein, si on peut s'entraider pour une bonne cause, moi j'y vois pas d'inconvénient, bien au contraire. Hein. Bon, c'est un peu... Moi je trouve ça complètement logique, hein, voilà, normal. Un peu de pub pour des bonnes causes, bien au contraire, ça fait pas de mal. Alors... Bon, on peut y aller, apparemment il n'y a pas de danger, donc on va y aller en courant. Ok. Aqueduc. D'accord. Excusez-moi.
fait un bruit bizarre avec ma bouche. Désolé. D'accord, donc là on peut récupérer des trésors, donc on va essayer de voir ça. Ok. Bon. Alors, il faut que je trouve l'ingénieur, d'accord. Oui, bien sûr. Que le fouet te délira la langue. Bien sûr, pas oublier que Megan a un blog également, donc mes n'hésitez pas à la contacter. Pour rien. Je vais vous redonner l'adresse de son blog, d'ailleurs. Voilà. Général Agrippa va en entendre parler. Un Romain qui prend la défense des Égyptiens? Mais où va-t-on? Dis à Agrippa que j'ai besoin de vrais soldats. Et j'ai besoin d'hommes capables de retrouver ces valeurs. Maintenant, retournez à vos outres de vin, vous qui n'êtes que puits de vacuité. C'est toi qu'on a chargé de tuer mon peuple au travail. Ton peuple? Ce sont mes hommes, et je fais mon possible pour les garder en vie, malgré la situation. Mais toi, qui es-tu, mon ami l'Égyptien? Bayek de Siwa, protecteur de ces gens. Alors, vous m'aidez bien, donc Bayek, si je peux donner Siwa, un petit coup de main, il n'y a pas de souci, je suis là, je suis... Ce que les gens pensent, c'est grâce les à votre soutien. Vos ennemis. D'accord, Megan, si non, mais si tu tiens à aider ton peuple, problème, alors aide-moi. On nous a volé des outils. En particulier ma dioptra, un outil de mesure. Sans elle, je ne peux poursuivre la construction de l'aqueduc. Et ces crétins de soldats pensent que c'est à cause de mes ouvriers. Je peux peut-être chercher cette dioptra. Grâce à elle, ce canal surélevé bah, après, c'est normal, Sky. Hein. C'est pour, vraiment pour une bonne cause, donc je trouve ça il a été le dernier normal à la fortune t'accompagne. Qu'on puisse en parler, et puis il n'y a pas de souci à ce sujet-là. On est d'ailleurs... Je pense que de la pub ou bien le mettre en valeur ce live, je pense que c'est important de le faire. Voilà. Je trouve ça très logique. Voilà. Bon, même si malheureusement tout le monde ne peut pas participer financièrement, mais le fait de pouvoir hoster la chaîne ou bien d'en parler ou de tweeter ou de retweeter à l'occasion. Voilà, au moment du lancement du live, c'est une façon d'aider un petit peu, même si c'est pas financièrement, c'est une façon de les aider, quoi. Voilà. C'est vrai que ça doit pas être évident à mettre ça en place. Ça doit pas être facile. Alors, je dois aider Vitruvius à régler son problème. Il est passé où? Alors, il y a une chose qui me dérange, c'est que je ne dirai pas, on ne sait jamais s'il y a des espions de Twitch. Ah. Ouais, mais je veux dire, généralement, moi, personnellement, quand je connais les chaînes, que ce soit comme Bourinator ou bien d'autres chaînes, ou la Hop I'm Dream, je pense que c'est... De toute façon, moi, je suis abonné à leur Discord. Forcément, quand ils mettent en place un live pour une bonne cause, il y a noir sur blanc, on voit les documents, on voit le montant qui a été récupéré, il n'y a pas de tricherie en fait. Hein. Voilà, pour le peu que j'ai pu participer à ce genre de truc, c'est complètement transparent en fait. Hein. Voilà, il n'y a pas de. Je sais que j'ai déjà vu des chaînes malheureusement qui ont profité un petit peu de ce genre de truc. Je pense qu'à mon avis, ils se sont vite fait repérer. Et d'ailleurs, les chaînes là n'existent plus. Hein. Pour info, les personnes qui ont un petit peu profité de ce genre de truc, ces chaînes là ont fermé. Hein. Alors, je sais pas ce qui s'est passé après avec. Je sais pas s'il y a eu des plaintes ou voilà. Je n'en sais rien, mais les chaînes n'existent plus du tout. Je pense pas qu'on peut se permettre de faire croire certaines choses sans que ce soit visible. Hein. Voilà. De toute façon, dans le pire des cas, il faut rester transparent là-dessus. Hein.
Parce que dès qu'il commence à avoir un doute sur quelque chose, tout se sait très vite. Hein. Voilà, le fait de communiquer par Facebook, Twitter ou Twitch. Voilà, je pense que les gens, au bout d'un moment, doivent bien s'en rendre compte que si c'est de la pure connerie, si c'est pas fiable, les gens vont pas hésiter à en parler. Hein. Je pense que ça se passe comme ça. Après, je comprends très bien ta réaction, Vénère. Hein. Je comprends très bien ta réaction. Ça se comprend. Ce n'est pas les chaînes qui font ça, c'est que je critique, mais c'est plus en rapport pour le pourcentage que Twitch prend. Ah oui, 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 d'accord, c'est Twitch. Ah ouais, Twitch malheureusement se prend des coms dessus aussi, c'est vrai. Ça, faut pas l'oublier. Hein. Pas oublier de le signaler aussi que Twitch malheureusement, il est pas sincère à ce sujet-là. Il profite malheureusement de ce genre d'action pour s'enrichir aussi. Hein. Voilà. Ça on le savait très bien que Twitch, hein, malheureusement, c'est pas parfait. Hein. Malheureusement. Mais chez YouTube, c'est pas mieux. Hein. YouTube, à l'heure actuelle, je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité de YouTube. Ça devient critique de streamer sur YouTube. Hein. Avec les droits de publicité, etc. Donc je sais pas où je vais aller du coup. Parce que je quitte un petit peu le jeu. Ouais, voilà, Vénère, je suis d'accord. Sinon, c'est très généreux de la part des streamers. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à en parler. À lâcher un petit follow ou bien à les encourager, tout simplement. Moi, je suis, comme je dis, hein, je participe beaucoup à ce genre de truc et après je pense que vous allez comprendre un petit peu ma réaction. Hein. Voilà. Bon, je sais pas où il est. Je vois pas du tout. Ah, là-bas à 57 mètres. Je suis perdu du coup. Dédi est terrifié. Il a été le dernier à utiliser la dioptra du maître. Il est passé où, Vitruvius? Je le trouve plus. Il est passé où le... Alors attendez, je vais essayer d'aller voir sur la carte. Je le vois pas. Ah oui, attendez, je vais peut-être utiliser ses nus. Pour le repérer peut-être. Voilà, oui. Effectivement, je vais peut-être l'utiliser. En plus, ça me permet de repérer les trésors aussi. Ouais, je peux utiliser ces nus pour voir faire des repères. Oh non, ça devient galère YouTube, hein, Megan. T'en as beaucoup qui vont quitter YouTube par rapport au nouveau règlement. Hein. Encore une histoire de fric, hein, tout simplement, malheureusement. Voilà, par contre, j'arrive pas à me repérer. Ah ouais, ici il y a un point aussi là-bas. Il faudrait bien que j'arrive à monter tout là-haut. Pour faire un point de déplacement rapide. Comment ça s'appelle déjà, je m'en souviens plus. Ah non, c'est un trésor ça. Je confonds avec autre chose. D'accord. Moi, je me suis fait repérer. Bon, c'est du level 32, c'est pas compliqué à avoir. Hein. Ah, je le trouve pas. Il est passé où? Je le vois pas du tout. J'arrive pas à le repérer en fait. Bizarre ça. Alors, du coup, je l'ai perdu, l'ami.
D'accord, Vénère, pas de soucis, à tout de suite. Hein. Moi, je stream jusque 19h30, donc il n'y a pas de soucis. Terminé le bon Romain. Alors attendez, est-ce que la quête elle a été validée ou pas? Bah oui, jouer avec le feu. C'est quoi ça? Bon, je vais peut-être prendre cette quête là, à mon avis. Là, on est sur quoi? On est sur de la quête annexe? Ouais, on est sur de la quête annexe en fait. J'ai complètement quitté la quête principale. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Déjà, j'ai localisé la cible. Donc, c'est parfait. On va aller là-bas. Tu es Dédi? Oh, par les bourses d'Hadès, je ne l'ai pas prise. Ne me tue pas. Dédi, attends. Comment il parle? Il a peur apparemment, il est effrayé de me voir arriver. Par où je peux passer par contre? Comment il a fait pour monter là-haut lui? Alors attendez, est-ce que je peux passer là? Ouais, c'est bon. Ok, nickel, c'est parfait. Voilà. Du calme. Je ne te ferai rien. Écoute. Dis-moi simplement où est la Dioptra. Il n'est pas, pas énormément habillé le mec. Hein. Il n'y a pas grand-chose sur lui. L'occasion d'en manger depuis que j'avais... Ça a l'air délicieux. Du mais poulet rôti. Qui m'intéresse. Avec des frites. Ton déjeuner ne t'aidera pas à t'en sortir. Oh, d'accord. Eh bien, j'ai le vertige. J'ai laissé la Dioptra dans la grotte. Ah ouais, t'es tout en haut, Mégane. Et à mon retour, elle n'était plus là. Emportée par même pour des le level. Hein, ouais, c'est vrai que le level, t'es vraiment le plus haut possible. Hein. Un brassero. D'ailleurs, je te remercie, Megan, d'être... Une par laquelle on regarde, une pour mesurer. D'être tout le temps, de, bon. Tout temps être présente sur les lives. Hein. Alors, ici, on va sur quoi? Éléments. Trouver et récupérer les éléments de la... Dioptra. D'accord, donc il faut aller là-haut. Bon, je pense qu'on va se marrer. Voilà. Bon, là, on est reparti un petit peu sur de la quête annexe. Bon, je suis un petit peu éloigné de la quête principale, mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais faire le curieux. C'est quoi ici? Je vais aller faire un petit tour dans cette grotte. Tiens. Je vais essayer de voir un petit peu ce que je pourrais trouver. Histoire de voir un peu. Peut-être qu'il y a des trésors. Moi, je m'occupe pas trop des trésors hein, pour l'instant. Si j'en trouvais un à proximité, je le prends, mais sinon, personnellement, c'est pas ma priorité. Ah bah c'est déjà pas mal, Megan. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. D'ailleurs, merci encore à tous hein, pour rester fidèles à la chaîne. Hein. C'est important pour moi. Hein. Faut pas oublier que sans vous, je suis rien du tout. Hein, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Allez, on va faire un peu le curieux. On va essayer d'explorer un petit peu les lieux pour voir. Il y a rien du tout en fait. Il y a pas grand chose à récupérer ici. Non. Quelquefois, on fait des belles découvertes comme ça. Les passages là, ce genre de passage. Voilà. Bon, mais là, on n'a rien. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver hein, sur le live. Bienvenue à tous. Alors comment je vais faire pour aller là-haut moi? J'ai pas de... Alors peut-être passer par ici. Voilà.
Hop. Voilà. Il va avoir du mal à monter, hein. Ça va, ça passe. Alors, par contre, après, je passe par où? Hop. Dans mon avis, si, ça va être bon. Je vais essayer de pas tomber parce que j'ai une sale habitude, c'est de tomber très, très rapidement dans les jeux. Hein. Donc ça m'arrive très souvent. D'accord, donc on va utiliser. Ok, c'est là-bas. Oh, c'est loin. Ok. GG pour ton level, LAMT. GG pour ton level. Alors. Ah, j'arrive pas à pointer la cible. Visite Megan, c'est pas mal, c'est bien. Moi, je vais vous faire un giveaway après, hein, du fait qu'il y a du monde aujourd'hui. C'est vrai que ces derniers temps c'était un petit peu calme dans la, au niveau de la chaîne. C'était assez calme, j'avais pas trop l'occasion de faire un petit tirage au sort. Voilà, donc le giveaway, hein, ça sera de la monnaie, hein. Je vais vous faire gagner de la monnaie, et puis il y aura également une clé Steam, hein, dans ce tirage au sort. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura un giveaway, il faudra taper un mot dans le chat. Et la personne qui sera tirée au sort par rapport à ce mot, il y aura une roue. Ouais, j'ai mis en place une roue, hein, en fait, avec un système de monnaie. Donc la monnaie, ça sera aléatoire. Hein. Vous pouvez gagner une monnaie silver, 200 monnaies silver, ou une clé Steam, tout simplement. Voilà, c'est pas moi qui vais décider le montant de la monnaie. Ouais, étant donné que j'ai mis en place la boutique. Bon, bien sûr, faut avoir follow à la chaîne pour participer. Hein. Voilà, c'est la chose que je demande. Voilà, tout simplement. Donc je ferai ça avant 19h30, hein, peut-être dans 10 minutes d'ailleurs. Il est déjà bientôt 19h20. Par contre là je suis perdu complètement, je sais pas où aller. J'arrive pas à avancer. Je sais pas par où passer. Alors surtout ne quittez pas trop vite le live. Dans 10 minutes, hein, je fais le tirage tout simplement. Hein, voilà. Bah du coup je passe par. Je vais passer. Bah non, je vois pas du tout. Ok. Je sais pas par où passer. Là par contre. Non. Je tombe. Oula. La descente a été compliquée. Oh là, si je saute de là, c'est même pas la peine. Je vais mourir. Et merci pour le follow, en tout cas, bien, merci beaucoup. C'est bien sympa. Voilà, je vais vous redonner un petit peu les infos concernant la boutique, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe.
Voilà. Avec... Alors, attendez le lien. Voilà, merci hein, pour le follow. Ouais, bienvenue. Hein. Ah, je passe par... Je vais passer par où, en fait? Je suis bloqué. Ah, si je saute, c'est la mort assurée. Hein, ça, c'est sûr et certain. Oh, je le sens pas. Ça va, je m'en sors. Ça va, ça va, ça va aller. On va descendre là. Voilà. Pas obligé de sauter. Un repère de bandits. Je suis pas obligé de sauter. Moi, je sais déjà que ce ne sont pas des esprits qui l'ont volé. Voilà. Alors, encore 5 minutes de live et puis après, je vous fais le tirage. Je fais le tirage. Ouais, j'ai eu de la chance de retomber sur l'arbre. Wow, je m'en sors bien. Inutile de fuir. Je m'en sors bien parce que là... Moi, je l'ai one shot. J'ai eu de la chance de retomber sur l'arbre. Tu te prends pour un génie, pas vrai? Inutile de fuir. T'aurais pas dû venir ici. Alors, faut savoir qu'on a un Discord aussi. Vous pouvez éventuellement, si ça vous intéresse, de le rejoindre. Pour ceux qui seraient intéressés. Oula. Eh ben j'ai du mal à l'avoir. Hein. Ça m'a coûté des flèches. Hein. Bon, ça va, je les ai récupérées. Revenir. Oui, ça marche, hein, la preuve en est. Hein. Megan, il faut savoir, est repartie par rapport à sa présence depuis le temps que Megan me suit. Ça fait à peu près 7 mois. Elle est repartie avec un casque haut de gamme 7.1. Donc voilà. Et tout ça gratuitement. Hein. Ça lui a pas coûté quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est une façon un petit peu de vous récompenser par rapport à votre présence. Que ce soit. Par rapport à votre participation live, plus vous mettez de messages, plus vous gagnez de la monnaie. Et puis, même que ce soit un host ou bien votre présence, tout simplement. Hein. Voilà, ça vous permet de gagner de la monnaie silver. Ah, encore une fois, je vais l'avoir. Ah, yes. Elle est efficace, cet arc. Hein. Suffit de bien viser, c'est efficace. Hein. Alors bon, je suis venu là, mais je sais pas vraiment pourquoi. Twitter parce que Megan ne fait pas son boulot. Ah, tu vas te faire tuer, vénère. Tu vas te prendre un coup de pelle, hein. Ouais, Twitter, Facebook. Par contre, je suis très peu actif sur Twitter. C'est très rare que je laisse des messages par manque de temps. Malheureusement, on sait avec Twitter et Facebook, c'est un bon moyen... C'est un bon moyen de faire, entre guillemets, laisser passer des messages. Je ne suis pas très très actif par manque de temps. Le seul moyen de Twitter, c'est dès que je lance un live, vous avez une alerte, hein, en fait. Hein. Il y a un message qui se met sur Twitter et Facebook, je ne pense pas. Mais Twitter, il y a un message qui se met dès que je suis en live. Donc c'est important de s'abonner à Twitter aussi. Hein. Voilà. On dirait bien une partie de la Dioptra. Gala. Alors, les 18. Bon, bah, je pense que je vais stopper pour aujourd'hui. Surtout ne quittez pas le live. Je vais faire le tirage du giveaway. Hein. Voilà. Alors, attendez. Je vais tout simplement passer sur un autre écran de capture pour passer au tirage parce que je vais vous faire voir que je ne cache pas, il n'y a pas de tricherie au niveau du tirage du giveaway. J'espère pas t'enfuir, tu vas crever. Bon, attendez, je suis un peu embêté là, je vais m'occuper de lui. Je vais peut-être faire le nettoyage avant de faire le giveaway. Non ? Oui ? Je te tiens à toi. C'est bon, il n'y a plus personne ? D'accord.
Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un écran de capture. Voilà. Et puis je mets ça en place tout de suite. Il y aura tout simplement un petit message à taper dans le chat. Voilà. Je vais mettre ça tout de suite en place. En tout cas, encore merci pour votre présence. Ça fait bien plaisir. Hop. Voilà. Du coup, je vais profiter qu'il y ait un peu plus de monde pour faire le tirage. Donc, vous pouvez gagner une clé Steam, hein, pour info. Et pour ceux qui connaissent un peu le principe de la chaîne, bah de la monnaie. Hein, voilà, voilà. Alors, attendez. Silver s'est reconverti en engin d'entretien. Il nettoie depuis tout à l'heure. C'est vrai, Sky, t'as pas tort. Je fais le gros nettoyage. C'est vrai que je dis ça régulièrement. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que j'aime bien nettoyer les lieux. Hein. Je suis quelqu'un qui veut que les lieux restent propres. C'est vrai. Alors, attendez. Voilà. Hop. Alors, ici, par contre, je vais couper pour éviter le retour. Alors. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot? Alors, donnez-moi un mot à taper dans le chat. Comme ça, tout le monde pourra le mettre après, par la suite. Je vous dirai quand est-ce que ça sera possible. Voilà, donc ça c'est la capture. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre comme mot pour le tirage? J'ai pas d'idée, hein. Je suis à court d'idées pour le pot. Hein. M'en fous, faut taper ça. Origine, allez on va taper ça. Origine, par contre pas de majuscule pour éviter les erreurs. Alors origine, on va taper ça. Voilà. Hop. Alors, j'espère que j'ai pas fait de faute. O-R-I-G-I-N-S. Parce qu'il faut savoir, je vous suis sur tablette. Et franchement, personnellement, les écritures, c'est petit. Moi qui porte des lunettes, qui n'a pas une très bonne vue. Voilà. Donc, vous pouvez taper Bayek. Ouais, ça aurait été pas mal aussi. Moi, je vais prendre le mot de l'âme. Voilà, vous tapez Origine. Hein. Donc, O-R-I-G-I-N-S pour ceux qui veulent participer. Voilà, vous pouvez taper ce mot-là dans le chat. Voilà, donc là, je vois Gala, je vois Megan. Normalement, bon, ça va apparaître en petites écritures. Il y a l'âme également qui participe. Sky, voilà. Vénère. Ok. C'est bien, ça fait plaisir, pas mal de monde qui participe. Je sais pas si on est plus ou pas. Non, je pense pas. Ok, bon, apparemment c'est bon. Dirt est parti. La concurrence est rude. Je sais plus si Dirt est parti à Agony. Je sais plus. Bon, bah, je pense que je vais faire le tirage. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout est ok. Puis personne ne participe. Alors, faut savoir, il y aura une clé Steam et puis de la monnaie Silver gagnée. Hein. Non, ça a l'air d'être bon. Bon, je fais le tirage. Hop. Bah, c'est Gala qui gagne. Donc, obligatoirement, je vais, comme d'habitude, je vais pas choisir le montant. J'ai mis en place une roue qui va déterminer ce que tu peux gagner. GG, en tout cas, Gala. Voilà. Donc, on va mettre ça en place. Alors, la roue, je sais plus où je l'ai mis. Il y a tellement longtemps que je l'ai pas mis que... Voilà, c'est ici. Alors, elle est un petit peu... Je vais l'agrandir, essayer de l'améliorer. Voilà. Voilà. Donc, tu peux gagner. Voilà, ça va de 1 à 50 à 200. 150, 100 et 10. Hein. Voilà. C'est pas moi qui choisis. Ou une clé Steam aléatoire. Donc, c'est parti. Voilà. Pas GG à Gala. Mais si, GG Gala. Ah bah 150 monnaie, silver, Gala. GG à toi, en tout cas, je te rajoute ça après la fin du live. Voilà, en tout cas, merci à tous, hein, merci pour votre présence, ça m'a bien fait plaisir. J'étais bien content de vous retrouver, j'ai passé vraiment un bon moment.
Donc on se retrouve peut-être demain, hein. Bon, c'est pas garanti à 100% le million. on se retrouve peut-être demain, mais c'est pas sûr à 100% que je vais live, hein. Voilà, ça dépendra de mon état de forme. Mais sinon, lundi, je ne sais pas encore, hein. Je ne pense pas lundi. Je suis pas sûr. Non, je pense pas que lundi, ça sera plutôt mardi. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, je pense qu'on va peut-être se retrouver si d'autres personnes live ce soir. On essaiera de se retrouver sur différentes chaînes. N'hésitez pas surtout à utiliser vos commandes. Hein. Voilà. Pour vos chaînes, pour les personnes qui streament, tout simplement. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit, merci pour votre présence et je vous envoie plein de bisous. Voilà, voilà, bonne soirée à tous et merci encore pour votre présence et les follow. Ciao, ciao. À bientôt.